bien, salut à tous et à toutes, c'est LipsyCotoon et aujourd'hui on se retrouve comme vous pouvez le voir pour un nouvel épisode sur Monster Hunter 3 Ultimate. Et comme d'habitude, bah, je ne suis pas seul. Salut à tous. Donc bah, aujourd'hui écoutez, on va se faire un petit Ludrof, hein, un petit Ludrof Royal, hein. Toi-même tu sais, oui je sais, je dis ça à chaque fois que je prends une quête. Allez hop, le Ludrof Royal, non c'est pas ça. Voilà, hop là. Donc alors, bah, on a pas mal de choses à dire, hein, notamment bah, au niveau du Mumble. Bon, bah, déjà, ça marche pas trop, hein, bah, je m'y attendais un petit peu. Hein. Bon, il y a 600 vues sur la vidéo, mais il y a 3 pélos qui se courent après. D'ailleurs, je remercie ces pélos, merci pélos. Donc j'ai rencontré d'ailleurs certaines personnes avec qui j'ai joué qui sont très sympas, très sociables, tout ça, donc vraiment super sympas. Donc bah voilà, je les remercie, ils restent tant bien que mal, donc voilà, un c'est grand pas, merci. Venez quand même, c'est pas grave. En fait, je remarque qu'il y a plus de gens qui regardent nos vidéos, mais il n'y a pas vraiment beaucoup de gens qui nous regardent qui ont Monster Hunter 3 Ultimate sur 3DS en fait, donc sur Wii. Donc ils l'ont plus sur 3DS justement en fait que sur Wii, c'est pour ça. Donc alors aussi je voulais vous parler, non. Un petit rototo, oui je voulais vous parler, oui voilà c'est tout, voilà. On attend. Non, j'ai code. Je voulais vous parler qu'il y a une personne qui nous a fait des dessins. Ouais, des dessins qui s'affichent actuellement à l'écran. Ils sont super bien faits. Enfin, moi je trouve, parce que moi qui suis une brêle en dessin, voilà. Je trouve qu'ils sont super bien faits. Donc, un gros merci à lui. Il se reconnaîtra. Poste un commentaire. D'ailleurs, pour qu'on te reconnaisse, voilà. Donc, voilà, je trouve ça super sympa. Ils s'afficheront à l'écran actuellement. Donc, merci. Si vous voulez nous en faire aussi, voilà, pas 40, mais on en mettra de temps en temps, voilà. Donc, voilà, gros merci à lui. Ça s'affiche à l'écran. J'espère que vous aimerez. Donc, bah écoutez, voilà, nous qui savons pas dessiner. On s'est à peine dessiné un bonhomme en stickman, donc voilà, pour nous c'est déjà du gros travail, on va dire. Donc bah écoutez, on y va, c'est parti. Alors, maintenant je m'en vais prendre le micro dans son switch. Hop, vous n'avez rien vu. Hop, attendez, je relâche le micro. Ouais. Alors, pour une fois que c'est moi qui ai le micro, tiens, pendant que c'est toi qui joue, tiens, c'est plaisir. Oh merde. Alors, j'ai une grosse news qui nous a été envoyée par un abonné d'ailleurs. Grand merci à lui, j'ai plus le nom en tête, j'en suis désolé. Docteur 4, un truc comme ça. Ouais, voilà. Des majuscules de part. Voilà, tu te reconnaîtras de toute façon. Qui nous a envoyé un post sur non c'était pas sur jeuxvideo.com, non c'était sur un site à la con, je sais pas, un site que je ne connais pas du tout, mais un site, voilà, c'est ce qui importe. Oh putain, non. Donc alors une grande nouvelle, mes très chers amis et Monster Hunter et aventuriers autres machins. Très grande nouvelle dans le monde des Hunters. Monster Hunter 4 est annoncé en Europe et en Amérique. Oh mon dieu, je bande actuellement, j'ai une érection. Non, Monster Hunter 4 donc arrive en Europe d'après les rumeurs qui courent. Nintendo est en train Nintendo. Capcom est en train de discuter avec ses partenaires qui sont en Europe pour sortir le jeu. Donc je crois que c'est sur Xbox 360, il me semble, je sais plus. Si, ouais, je crois qu'il va sortir sur Xbox 360. Bah, il va sortir. On dit peut-être une bêtise, ça c'est pas sûr, hein, mais voilà. D'après les rumeurs qui sont disent, il pourrait y avoir sur Xbox 360, bien sûr sur Wii U et sur 3DS, hein, faut pas déconner quand même. Capcom a de gros partenaires, enfin c'est un gros partenaire de Nintendo, donc faut pas déconner, il sortira bien évidemment sur Wii U. S'il sort déjà en Europe, il sortira sur Wii U et sur 3DS. Alors jusque là tout le monde est heureux, tout le monde est content, yo people, moumzaga, ça. D'ailleurs l'abonné nous a dit faites passer le message, vous serez mieux placé pour faire passer le message au niveau. Il y aura le lien de la news qui sera dans la description, si on y pense. Si on y pense, oui voilà, s'il y est pas, faites-nous y penser, voilà, bref. Aussi, j'afficherai quelques petites images de Monster Hunter 4 à l'écran pour ceux qui ont pas encore vu le trailer. Ou ceux qui qui savaient même pas qu'il y avait un Monster Hunter 4 qui allait sortir, qui existait même. Donc voilà, des petites images, je trouve ça vraiment un jeu super sympa. Et allez voir le trailer parce qu'il y a vraiment des trucs de fou. Ouais, voilà, c'est sûr. Et à ce qui paraît, il va y avoir une nouvelle arme. Encore merci à un abonné, j'ai plus le nom, puis on n'a jamais les noms des abonnés. C'est le même. Je sais pas. Il va y avoir une nouvelle arme, c'est un petit insecte qui est sur notre bras et qui va drainer de l'énergie au monstre, à ce qui paraît. Voilà.
Ce sont toujours des rumeurs qui paraissent assez fondées, notamment pour Monster Hunter 4 qui va sortir. Ça, c'est quand même une putain de rumeur, hein, faut pas prendre ça à la légère. Il y a aussi une putain d'arme, c'est une épée bouclier à la base, mais une grosse épée bouclier, hein, une grosse épée. Et qu'en fait, on peut la transformer en hache. Et ça, en fait, tu vois, le bouclier se met, s'emboîte sur l'épée et ça fait une hache. Et tu peux faire des combos de malade avec ça, et franchement, je pense que je vais jouer avec. Ouais, ça je savais pas, tu vois. Comme quoi on en apprend tous les jours. Alors là, vous allez être tous heureux, hein. Tous ceux qui aiment Monster Hunter, toutes consoles confondues, tous. Hein, vous allez encore plus faire dans votre slip, sortez les mouchoirs et c'est pas pour pleurer, comme j'aime oui, dire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur 3DS et qui voudraient jouer avec nous, vas-y. Explique. Alors oui, alors, d'une, j'ai une autre chose à faire passer avant. Vous nous dites, je suis sur 3DS et j'aimerais jouer avec toi sur Wii U. En gros, c'est comme si vous me demandiez, je suis sur Xbox 360, est-ce que je peux jouer avec toi sur PS3? Non, ce n'est pas possible, ce sont deux consoles différentes, vous ne pouvez pas. Enfin, du moins, sur Monster Hunter Ultimate, vous ne pouvez pas, ce n'est pas possible. À ma connaissance, je ne crois pas que ça soit possible de jouer de la 3DS à la Wii U. Franchement, ce serait très étonnant que ce soit possible. Je pense pas qu'ils aient prévu le coup, les développeurs, donc non. Arrêtez de nous poser la question, on a déjà eu assez. Ça commence un peu à devenir cela. Donc je reviens à ma phrase bandante, parce que là c'est plus très bandant tout de suite. Alors, il va y avoir un Monster Hunter 4. Bon ça vous le saviez, putain qu'est-ce que je dis. Donc non, alors, il va y avoir la réunification, si je puis dire. En gros... On est dans quoi ? En fait... les serveurs de Monster Hunter 4 de Wii U seront liés avec les serveurs sera le même que le serveur sur 3DS. Ce qui veut dire... Ah, tu l'as pété la crête, GG. Ce qui veut dire... HH, et tout. Ce qui veut dire qu'en fait, les gens qui sont sur 3DS pourront venir avec les gens qui sont sur la Wii U. D'après toujours des rumeurs, bien sûr, mais je pense vraiment que c'est possible. Alors là, tout de suite, là, vous voyez, vous bandez tout de suite. Là, il y aura plus besoin de nous poser la question. D'après ce qui est dit, ceux qui sont sur 3DS pourront jouer avec ceux qui sont sur Wii U. Et ce sont des choses qui arrivent. Voilà, les Felvin sont un peu suicidaires en ce moment. Alors, et je trouve franchement que c'est une très bonne innovation de la part de Capcom. Parce que franchement, je pense qu'ils ont prévu le coup. Ils ont dû se dire, déjà que nous, de notre côté, on a reçu plein de questions sur est-ce qu'on pouvait jouer en multi sur 3DS et sur Wii U en même temps. Alors vous imaginez, eux, ils ont dû harceler à ce niveau-là. Donc ils ont dit, ok, les gars, on pose le jeu, hein. Cette fois, on assure le coup pour Monster Hunter 4. Comme ça, on pourra tous jouer ensemble comme une grande famille, ouais. Voilà, c'est tout ce que j'avais à peu près à dire. Moi personnellement. Donc j'espère que ça vous fera plaisir cette news. Merci encore à l'abonné qui nous l'a fait découvrir. Attention, re-switch de micro parce que je sais que t'as un truc à dire. Attention. Voilà, alors. Donc bah voilà, évidemment ce sont des rumeurs, hein, ne pas prendre au premier degré. À prendre avec des pincettes. Donc. Alors, j'ai aussi un petit truc à faire passer, une petite humiliation, voilà, c'est totalement gratuit, j'adore ça. Donc, nous avons notre premier fake. Donc, un mec qui se fait passer pour nous, alors non pas sur une console, ni sur PS3, enfin, ouais, sur PS3 non plus, enfin voilà. C'est une console. C'est une console, voilà. Donc, c'est sur Skype. Alors, c'est un abonné qui me l'a signalé, et il a très bien fait d'ailleurs, un gros merci à lui. Je vous mettrai la conversation d'ailleurs à l'écran, j'ai beaucoup de choses à mettre à l'écran. Hein. Et je mettrai la conversation à l'écran, sans mettre son nom bien évidemment, hein, parce qu'on n'est pas là pour qu'il soit spoilé ou harcelé, hein, loin de là. Spoilé ? Oui, enfin, oui, non, ça ne va absolument... Putain, tu m'as fait réfléchir, enculé. Non, pour qu'il ne soit pas harcelé, mais enfin voilà. Donc déjà, je vais citer ses erreurs. C'est de s'être appelé, enfin... Nous, vous savez tous qu'on s'appelle Florian et Jérémy. Si vous le savez pas, bah maintenant vous le savez. Donc, arrête de marceler. Ah ! Fuck ! Putain de Ludros. C'est pas grave. Son erreur, c'est que, on a vu sur la conversation, il s'appelle Corentin, des numéros après. Oui, je ne dirai toujours pas le nom, on n'est pas là pour. Non, voilà. Ne tapez pas sur Skype des numéros après, hein, ça ne marchera pas. Voilà. Bâtard ! Vas-y, reviens. La queue ! Merde. Fiché, bon tant pis. Donc voilà, il a fait l'erreur de s'appeler Corentin. Donc déjà là, l'abonné, ça l'a mis sur la piste. Ensuite, sa deuxième erreur, c'était pour rentrer sur un serveur Feed the Beast. Donc déjà, pourquoi rentrer sur un serveur Feed the Beast vu qu'on en a un? Utilité. En même temps, il était pas très intelligent de son côté, je pense. Et de plus, là où il est encore plus con, et désolé de le dire, tu peux mettre un pouce rouge, je t'autorise. De toute façon, on s'en bat les couilles.
c'est que... Merde, chier. C'est que il a une version craquée de Minecraft. Alors là, il s'est dit, ouais, ok, je vais leur envoyer un message, on sait jamais. Et il s'avère que, bah, moi, de mon côté, j'ai beaucoup rigolé. J'ai rigolé comme un con tout seul, voilà. J'ai rigolé tout seul devant mon PC. Mes parents, ils ont dit, putain, ça y est, il devient fou. Faut le faire hospitalier, c'est le moment. L'euthanasier. L'euthanasier, une balle dans la tête. Donc voilà, donc, moi, ça m'a fait rire. Je m'en fous d'avoir des fakes, hein. Moi, je trouve ça drôle. Oh bah tiens, je pensais pas le finir déjà, tiens. Bon bah voilà, je trouve on va finir là-dessus. Je trouve ça drôle, après vous faites ce que vous voulez, mais ces gens n'ont aucune personnalité, voilà, créez-vous votre propre personnalité, ça sert à rien de se faire passer pour quelqu'un, surtout pour rentrer sur un serveur FeedTheBeast, voilà. Bon, après ça on s'en fout, hein. Donc voilà, une petite bêtise de sa part, bon, voilà, ça arrive, on a tous voulu se faire passer pour quelqu'un d'autre, hein. Non. Non. Ainsi. Bah allez, fais avec moi, bordel! Pourquoi t'es déguisé en fille? Mais ta gueule, fallait pas le dire, quoi! Donc, bah écoutez, voilà, c'est fini, hein. Bon, c'est tout ce qu'on avait à dire. On a pas mal parlé, hein. On a pas mal blablaté, hein. Je remarque qu'on tient mieux le commentary, tu vois. C'est l'expérience parle. Ouais, tu vois, toi-même, tu sais, allez! Donc, voilà, on va arrêter de délirer. Donc, voilà, après toutes ces infos qui, j'espère, vous auront plu ou moins plu. Bon, pour le fake, hein, vous en faites pas, on s'en bat totalement les couilles. Après, si sur YouTube, il y en a un qui s'amuse à faire pareil que nous, là, oui, ça, on s'en battra moins les couilles. On a des hackers chez nous, hein, vous inquiétez pas. Hein. On oui, connaît des gens. On connaît des gens très susceptibles. Donc voilà, écoutez les gens, bon, on s'en fout, hein, qu'on ait des hackers ou pas. De toute façon, maintenant pour hacker YouTube, voilà, c'est très difficile. Bon, voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et, écoutez, on se retrouve pour une prochaine. Allez, bye à tous. Bye.